La morphologie naturelle d'un cours d'eau, son lit, ses berges, sa pente, sa végétation, sont des composants essentiels à la qualité de la ressource, à la richesse de la biodiversité et à la bonne régulation des écoulements. À l'échelle de la France, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne avec une contribution à hauteur de 60%, la région Centre-Val de Loire avec 10%, le département du Cher avec lui aussi 10%, et le syndicat intercommunal de la Vallée de l'Yèvre avec 20% participent à la restauration du ruisseau de Saint-Palais. La collectivité intervient sur le cours d'eau altéré par les différents usages et activités du territoire pour permettre à ce milieu de déployer à nouveau sa capacité naturelle. Avec la recréation d'un lit sinueux de 420 mètres dans un lit inondable de 7 mètres, la collectivité a redéployé la capacité naturelle du ruisseau de Saint-Palais.